Ou sur Wendy 509, ou fait bon choix, haïtien tout partout, branchez Chanel ça pour être capable d'informer vous par rapport avec ce qu'a fait dans le pays. Ça qu'a dit, ça qu'a fait, et puis ça va le passer rapidement. Gon situation là au niveau de Badelma. Gen des rumeurs qui ont circulé qui dit que barbecue apparemment monsieur t'a sauvé ou bien monsieur t'a baillé vague par rapport avec bataille que l'a fait avec la police au niveau de Delma. Est-ce que barbecue nan basli Delma 6? Gen pile moun qui dit non, mais gen moun qui dit si on pas à côté le passé, ça veut dire toujours nan basli. Donc nan bas ou pas, barbecue semblait rester dans la résistance par rapport avec l'opération qui gagne en bas la ville là côté. Informateur nous fait nous connaître que gagne en pile policier qui impliqué dans cadre opération ça. Pour cette opération, d'ailleurs la police qui communiquait dans ce sens, il fait connaître que gagne plusieurs unités spécialisées dans PNH là qui déployaient notamment Utak en bas, parce que on connaît Utak là, il gon café chaud pour boire avec barbecue. Suite à la mort, trois agents Utagio. Même si, gain de. L'autre monde cap dit que, nek sa yo pas de policier, c'était gang. Mais ouais, policier ou gang, policier gang, gang policier, depuis ou t'es encore fait partie de la police, eh bien, ouais, peut-être que dans bonheur, nek yo pas uni yo. Mais ouais, depuis gain malheur, ou attaque un policier, c'est après ou pral connaît que si ou non c'était mauvais policier, mais ouais, depuis ou attaque à un policier, ou attaquer avec l'institution policière. Et non sans ça gagné, on tasse café en main que Utak la gagné pour le boire avec Jimmy Cherizier alias barbecue. Également dans zone gagné selon sa informateur nous fait connait Bri qui en bas. Gagné Simo qui en bas et pas seulement gagné des policiers mais gagné tout en pile char que disposé en bas pour capable continuer bataille contre barbecue ensemble avec équipe li. Et faut me dire que la police est terminée pour lui déraciner chef gang ça en bas. Et faut me dire légalement dans zone ci là, gagne force de l'ordre qui concentré au niveau de Delma 2. Ou dans zone ça, la police très présent. Donc si nèg yo a essayé sortir tête yo là, yo ka prend en pile coup de balle. Gagne également dans zone Tokyo ensemble avec zone Delma 4, Delma 2. Donc toute zone ça yo pratiquement gagne en pile coup de balle cap tiré. Dans zone ça yo c'est mort red depuis on est passé dans zone ça ou pas gain pièce sous ou t'assemblé avec ou ka fait le vrai ou ka grand pile problème. Donc on moun ka fait zone ça yo marcher avec pièce sous parce que on ne sait jamais depuis la police mette main sous pas ka identifier ou. Et en plus ou t'a paraître comme on est qui ka nan gang barbecue a, eh bien y a conjugué présence sous au passé. Alors barbecue vraiment un gros problème et jodia l'issue prioritaire de la PNH et pendant que l'opération continue faut dire que barbecue monsieur en face une coalition qui gagne bourgeois qui gagne l'état qui gagne tout la police après la mort toi Utagio surtout et qui gagne population en quelque sorte qui pas jamais digérer ensemble exaction que bandi fait sous lit dans plusieurs zones oui même si dans zone barbecue c'est là la police là concentré force li parce que l'estime que dérespectant ça que barbecue fait dernièrement Volta payil. Alors qui est-ce qui a gagné bataille là? Est-ce que c'est le camp barbecue qui a gagné bataille ça ou bien le camp de la PNH? Mais je dis à la PNH là nous connaît ni représente l'état alors que toujours apprendre nous ou pas qu'à bataille avec l'état. Donc l'état toujours là, l'état gen moun là dans capable mourir. Gay moun la dan ni ta pa pala jodi a, mais l'état toujours là et ça fait li extrêmement difficile pour bataille ensemble avec l'état. Donc opération a possible au niveau de Badelma pour regarder qui est capable déraciner gang barbecue que la police gagne un task enfermé pour boire ensemble avec lui. Yo l'autre bois gagne la mort sans jour qui lui même a fait causer au niveau de quoi des bouquets hier dimanche là chef gang la mort sans jour monsieur Télongé en Lomago devant caméra et il t'ai fait connaître que toute l'agence a eu en bonne bien 1000 good en bonne lias 1000 good oui que monsieur a montré dans panier dans buffette n'a eu rempli l'argent en main mais
Jean chef gang nan di la, l'agent sa yo c'est l'agent pour aller faire payroll central. Ça pour nous connait par rapport avec zafè payroll central là, c'est que base 4 San Marozo gon central, gon siège. Mais et pas seulement au niveau de Kwale Bouke que nèg yo nan zone Canaan, nèg yo nan zone pile loin toujours. Donc son base qui gon paquet antenne en pile côté. Et tout nèg sa yo ou doit payer yo. Donc mais avant que vous payez nèg sa yo, faut payer central en avant. Donc côté base 4 San Marozo a pris naissance au niveau de la Kwale Bouke. Tendez à quoi c'est de plip plip. Plip plip. Je dis à le dimanche. Avec dit jeudi dimanche là, m'a fait payroll central. Y'a Golo. Zozo Mikel fiel tout naturellement. M'a fait payroll central là en van. Fait payroll ti moun yo dans central là. Ah non, même là gen fou gars là, non. On fait payroll ti moun yo dans central. On comment le déjà. Ah non, va faire rien mais. On va bon bonjour. La moisson joue pas deux jours en pleine braquille sans peur frapper. On est comment tête pour demander mon pile lui. Même pas répondre mon pas commenter. Chercher gain contrôle la moisson joue côté là la moisson joue observe en grand monde. OK chérie. Alors you know que nèg yo doit toujours songer. On parole qui dit l'argent c'est sang. Parole ça pas biblique non. Mais la Bible, en dans le même bon parole qui dit, des pour faire sans verser, sont abversés. Donc si l'argent c'est sang, et c'est sang moun yo bay pou yo fait l'argent sa yo, et si nek sa yo pren l'argent moun yo comme si c'est sang moun yo fait verser. Donc, c'est comme si m'dadou toute méchanceté que nek yo a fait là, yo obligé payer. Donc l'argent moun yo que yo pren pour yo faire exaction, pour yo capable acheter balsam, pour yo continuer faire gang, eh bien, c'est même l'agent sa yo qui pral servi contre nèg yo. Alors son parole qui simple mais qui gagne pile réalité la dani. Et puis pour l'autre parole encore qui important que nèg yo doit songer. Ouais tout ça fait sous terre. C'est sous terre ou pour elle. Donc toute exaction que un monde capable faire. Tout crime. Bon capable prendre là dans un autre niveau. Tout péché que on est capable faire sous la terre, c'est sous la terre que on va payer. Donc, pas aucun moyen pour aller dans le ciel pour mourir sans qu'on pas payer son gain pour faire. Alors, soit fait sous bout de terre. C'est ça pour nous comprendre. Donc, dans mon 100 jours, et n'abtonne pour nous. C'est vrai que je dis à la, ou prend l'argent moun yo, ou paye soldat, ou continuer faire antenne, ou continuer étendre pouvoir, soit en pile côté. C'est n'en plus j'ai moun pour prendre l'argent. Eh bien, on bon le, l'argent ça va pour tourner contre parce que tout ça fait sous terre. C'est sous terre ou gain pour elle. Alors, il n'a pas que nèg yo songe, ti monsieur gang yo, c'est que pas gain mille options. Pour touyer un gang. Premier bagay pour gang nan connaît c'est que pour touyer un gang la police pas obligé faire opération tout côté. Parce que d'abord, si ou pas arrivé dans opération face à la police dans affrontement, eh bien la police là travers renseignement que le gagnien capable infiltrer ou et puis soit attendé ya gen yon sorte de zam ki retourne contre ou à partir de proche ou même. Donc une n'a pas bandi ou de connait c'est que certaines fois c'est pas la police kap touyo mais c'est un proche bokoto son lieutenant kap touyo pour prendre place ou. Et grand pile chef gang qui konn ça que grand pile lieutenant ki bokote yo qui gen zam et à n'importe qui leur gen wèk fait ou capable mettre ou à terre. Et ça va là pour tout chef gang honnête que le te Izo que le te Mano que le te Chris là, que le te il appli, que le te l'homme sans jour, que le te vite l'homme. Tout chef de gang ça reconnaît très bien que ils ne sont pas à l'abri parce que n'importe lieutenant qui bon côté yo, n'importe le capable de décider vidéo à terre justement pour faire plaisir à la police. L'autre option qui gagne en lit simple, c'est que à n'importe qui le capable mettre un chef gang en face ou et puis dans affrontement avec l'autre gang là ou tomber. Donc parce que c'est you know lot. Depuis que deux chefs gang a bataille une contre l'autre, ce soit youn ou l'autre. Donc c'est le youn ou l'autre tombé que guerre là lui-même la suspend. Et puis troisième option c'est la police. Donc depuis la police décide tout bon vrai, il y a moyen pour ça. Il y a volonté pour ça. Pour l'attaquer, pas gain ou pas bois, obligé tomber. Donc chef gang yo,
parole la danse, et puis la fait chemin li. Alors, kounya là, on parlait de DG Rameau. Alors, c'est pas Adrien Rameau, donc t'es premier chef police, le police a créé en 1995. Et bizarrement, la police a commencé avec un Rameau, et puis, dernier moun qui a nommé là, c'est Normil Rameau. Est-ce que tenek sa ou gen lien famille? Nous pas connaît. Sauf que Normil Rameau, selon information, il est déjà nommé par le gouvernement pour venir remplacer France LB, que tout le monde était déjà prend la porte de la sortie. Est-ce que c'est un bon choix actuellement pour la police là? L'autre question qui est importante pour nous répondre, c'est est-ce que le problème là, c'est un problème de DG la police? Ou bien est-ce que problème non c'est un problème de politique qui pas gagne pour gérer sécurité a, ou bien est-ce que c'est un problème d'équipement? Une chose qui est important c'est que le Rameau était là déjà. Il était là, il échoué, je critiqué, il humilié. Jovenel Moïse qui était nommé lui pas supporté lui à un certain moment et malheureusement, c'est après que Rameau finalé gang va y payer net. Est-ce que donc c'est un problème de politique? Est-ce que c'est un problème de DG ou bien est-ce que c'est un problème d'équipement? Mais songez que il y a 4 ans, DG Rameau t'a essayé justifier lui devant Jovenel Moïse pendant que PM Jout t'a essayé humilier lui. Il est important pour retourner dans image ça parce que archivio là n'oblige à utiliser yo. Entendez, Normil Rameau, ça gagne 4 ans depuis t'a essayé justifier lui devant Jovenel Moïse qui était alors président de la République avant que le t'ait mouru. Parce que l'équipement la permet que la police lui remplit mieux rôle et puis les accomplir missionné qui s'est servi à protéger. Alors, il y a un principe, Excellence, un homme, une mission, des moyens. Nous ne sommes pas capables, je dis, pour ne pas avoir une comparaison entre manque d'équipement et la compétence. Et la compétence, tout le monde a une formation académique. Moi-même, personnellement, je fais infanterie militaire. Je compte ça m'a fait et je prouve déjà, dans le cadre d'opération de Terminator 1, il y a plusieurs arrestations qui sont faites. Même son professionnel, je travaille. Et opération ça, le peuple a le courant. Surtout, assassinat, petit bébé qui fait sous Gantier, il y a 8 arrestations qui sont faites. Il y a 8 arrestations qui sont faites, il y a une incursion qui fait, il y a une opération qui mène en base, sans Marozo, il y a une arrestation qui fait. Et opération a continué. Opération Terminator 1, les étalés sont période de 6 mois. Son période de 6 mois. Et pendant 6 mois, nous prenons le travail pour nous rétablir les conditions de sécurité dans le pays. Mais pour rétablir les conditions de sécurité dans le pays, Gombaga est important. Parce que le travail de la sécurité n'est pas seulement un travail de police. L'aller au-delà. Il n'est pas seulement un travail d'équipement. L'équipement n'a pas amélioré, il n'a pas acheté équipement, mais il faut nous acheter équipement qui répond à la réalité. Si je n'ai par exemple, j'ai des kits, comment des kits pour courir derrière les kidnappeurs qui sont en foreigner. J'ai un problème électrique, éclairage, pas d'électricité, parfois les peuples arrivent la police, eh bien la police n'est pas calée dans une série de zones. Problème d'électricité. Parfois les rives rejoignent une grosse barricade qui dépassait ce que nous voyons. Ça veut dire que nous avons besoin d'un bon 4x4 pour la police, c'est-à-dire les capables visibles pour le faire travailler. Et l'autre bagage qui est important, bien le rôle citoyen. Parce que le problème de la sécurité, tout citoyen. Tout ça, il faut dénoncer par la police. Eh bien, gang armé, groupe armé, qui va habiter? Il va habiter même côté avec tout citoyen. C'est là que je demande tout pour les leaders communautaires. Si il y a une information, il faut partager renseignement à la police. Parce que l'information est vitale, l'information est même gens avec nourriture comme on a besoin pour manger. La police a besoin d'information. Et une bagaille qui est importante dans le cadre d'opération tactique. Eh bien, l'immense patience et la précision. Parce que patience à la précision, hein, dans toute opération, pour éviter dommages collatéraux et effets de surprise. Et l'opération qui est lancée là,
pas de monde qui te connaît que l'opération ça a lancé. C'est ça que fait à plusieurs reprises. Je demande qui est l'opération faite. Moi, toujours dit, il n'y a pas ni date, ni l'heure, mais la fête quand même. Et une bagarre me voulait dire que la police n'a pas été l'ennemi juré des bandits. L'ennemi juré des bandits. La police est seule force détentrice de la violence légale. Et sous commandement, il n'y a pas de bandits qui ont fait la loi. On a un problème de manque d'équipement. C'est des gilets niveau 4. Mais c'est vous-même qui avez préparé. Des gilets niveau 4 là, permettent que les policiers, unité spécialisée qui sur le front, eh bien sur le front, ils peuvent résister à n'importe quel assaut, Jean-Madame Nanté dit là, des armes de calibre 7.62. Premièrement, dans le théâtre d'opération, il faut que les policiers lui-même soient en état. Et ça fait pour toute opération qui est réalisée, qu'on y a ces opérations qui fait sur base et fait surprise. Étant donné, nous pas qu'à mettre toute stratégie de la police là sur la voie publique, nous travaillons et nous rétablissons les conditions de sécurité dans le pays. Alors, c'est vrai que le problème n'est pas seulement un problème de compétence, un problème de DG. C'est également un problème d'équipement. Mais est-ce que pas de gagné on petit cas résultat même si moyen yo t'ai un petit jamais manqué parce que quand même c'est vrai que la police a pas gagné pour moyen pas de former pour ça pour te bataille contre gang même souvent ouais que la police en déterminé qu'un minimum de des fois qui fait pour mettre bandi yo petit cas n'a campé loin parce que si gagné Michel Ange Dion qui fait si par le passé Marion de Sol Tifel, parce que il y a un qui a fait, parce que Nexayo pas utiliser magie pour te travail. Bon, en fait, c'est les bails que nous ne connaissons pas. Mais le problème qui pose tout dans les affaires de sécurité, ça, c'est un problème que nous pouvons comprendre que la sécurité, c'est tout le monde qui peut mettre main la donne. Sécurité, il faut que la police en premier implique la donne, puisque c'est lui-même qui force de l'ordre qui est plus opérationnel devant l'armée. Mais là, tout, il faut mettre l'armée campée. Donc, comment vous voulez que gagner sécurité dans le pays sans que pas l'armée, alors que la sécurité nationale pour défendre le territoire, c'est job l'armée. Donc, lorsque que tout chale a nommé la police, chale a vin lou. Et le sa la police, il a tremblé, bon côté écrivé l'obligé de mettre chale à terre. Donc, puisque chale a trop lou. Alors, you know, y'a qu'une parivé comprendre, c'est que la police pour contre lui pas capable lever chale ça. Faut que l'État entre là-dedans, faut qu'il y ait une politique pour ça. Faut que bourgeois pays a qui est moyen dans mais yo et faut que citoyen yo tout ba information et c'est ça que ancien DG la police Marion André Sol qui en pile monde ouais qui était plus ou moins réussi dans tête la police là relé gouvernance sous sécurité a qui pas existé en Haïti parce que et comme si m'ta dou pas aucune politique pour mettre sécurité on monde vini yo quitter le pour compte li on l'autre vini yo quitter le pour compte li yo quitter la police là lui-même pour compte li gérer bandi alors que et gain côté information ka aide. Gen l'argent qui pou bay, gen moyen qui pou mobiliser. Et puis gen de l'autre force tout qui pou camper avec la police tant que l'armée qui pas fait. Donc, là ça pas fait. C'est comme si pas gen une sorte de gouvernance de sécurité. Et Marion André Sol, monsieur m'a parlé de bay ça. On m'invite nous tendre pour nous capable comprendre plus bien. Parce que je vous dis a donné au changer et puis nous même bon côté pas nous très en retard. Nous toujours été dans conception et approche exclusive de la sécurité, alors qu'il a supposé intégrale. Et sécurité à poule durable, il faut l'intégrale. Ça veut dire ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il faut qu'il prenne en compte, je dis à nous-mêmes, autorité étatique, non seulement une politique publique de sécurité, mais en même temps, il faut qu'il a tenu compte de trois aspects de la sécurité, qui est la sécurité nationale, qui n'est pas qu'à relever de la police, qui est la sécurité publique ou bien sécurité citoyenne qui relève de la police, avec la sécurité humaine, qui c'est des éléments de sécurité qui créent insécurité, mais ce n'est pas des crimes de sang, mais c'est ce qui est lié avec des catastrophes naturelles et des phénomènes environnementaux, dégradation environnement, par exemple. Donc ça veut dire, nous-mêmes, nous étions nos seules conceptions exclusives de sécurité, qui vient faire que nous-mêmes, nous avons une seule force, nous larguer toute part de l'insécurité, sécurité à sous-dol. Et ça, il faut que les gens, à toi raison, qui a demandé pour tout, côté renseignement, la police. Donc, l'État n'a pas battu des outils pour créer ça, d'après et pour battre contre la sécurité. Parce que, il n'y a pas de bataille dans la structure, il n'y a pas de construire la sécurité, il n'y a pas de main.
Donc à chaque fois, on a saupoudré, on a pris des dispositions, c'est pour le moment. Donc après 2-3 semaines, on a baissé et puis on a gagné encore. Nous venons tourner de véritables pompiers. Or, nous ne pouvons pas supposer qu'un pompier, il faut qu'on ait une vision pour la une nouvelle vision de la sécurité publique. Et ça va être parler de reconfiguration, justement, ça n'a pas aimé. Et gouvernance sécurité pays. Donc faut entité qui autorité qui dans entité étatique de sécurité yo faut qu'il adapte connaissance livresque à réalité terrain pas nous parce que pas nous pas répondre mais pas même la France avec États-Unis sur l'autre bagaille. Donc ça veut dire faut faire preuve de créativité institutionnelle. Donc ça veut dire aujourd'hui là faut que nous capable anticiper problème yo. Si nous anticiper problème yo toujours à pour arriver. Tel on fait allusion avec l'UMT là, l'UMT là pas un contexte, ça va une conjoncture. Donc une grosse conjoncture même. Vous savez, c'est sûr que vous n'avez pas une politisation à outrance de questions bandits, comme si vous avez une autorité de politique qui est liée directement avec bandits. Même comme la police, je vous dis, vous tampon, ça veut dire que je ne peux pas entrer à faire ça dans le quartier populaire. Jean, monsieur, vous quittez, vous faites la route, vous avez fait la loi. Vous comprenez, mais en même temps, vous avez une quartier populaire qui est historiquement toujours délaissé, délaissé pour continuer. Il n'y a pas aucun milieu que jeune garçon vient de lever. Il n'y a pas aucune alternative qui est entrée dans la gang. Donc, il faut anticiper le problème pour qu'on connaît. C'est une cause structurelle d'insécurité. Ce n'est pas batailler pour votre extrême et l'inégalité sociale. Il va le bon et ça va au-delà. Vous bien, oui. Et si ça veut dire nous préciser pour vous, dans la sécurité nationale, là, c'est là où on va gagner un service de renseignement, un service d'intelligence nationale, qui va alimenter la police tout en information, même la police qui peut réseau, pas le renseignement lui-même. C'est ça que fait. Une mesure pour l'État après tout, c'est créer une entité justement qui a là, qui a coordonné et puis qui a optimisé. Et coordonner tout organisme, différents organismes de sécurité, parce que c'est pas la police seulement, vous comprenez dans là. Donc, surtout en matière de renseignement criminel. Donc, il faut qu'on gagne une mise en œuvre d'un plan intégré de sécurité. Et nous ne pouvons pas être nos outils. Chaque fois qu'on voit une sécurité, c'est la police. Donc, il y a une baille comme si nous avions tout dans la routine, et la police a dit l'autre baille pour le faire qu'on y a, puisqu'il y a un manque de moyens. Il va le bail, il va le faire disponible, à disposition pour un petit moment. Et puis après 2 semaines, tout le monde, soit pour un café dans la communauté, après 3 semaines, si, pas gagné, si l'État pas suivre, par exemple, ça qui vient de faire un pistache là, si l'État pas suivre pour nous implanter des pieds dans le nord, on gagne même problème l'autre semaine. Et même si on a 10 millions de policiers, 1 million de policiers par chaque habitant, on a toujours un problème de sécurité. Donc c'est ça lui-même qui m'a demandé pour une faire de créativité institutionnelle. Là. Donc, il faut que nous-mêmes nous mettions en situation aujourd'hui pour non seulement un bail. Entité ça qui est responsable de la sécurité citoyenne, moyen pour faire le travail, et en même temps, il faut que l'État mette en place une entité pour prendre en main la sécurité nationale là, qui va même la sécurité citoyenne ou bien sécurité publique. Nous avons protégé le pays, frontières, services d'intelligence nationale, tout ça. C'est ça qui manque, qui fait défaut. Donc, bon vacuum là, donc la nature est du vide, puisque vous avez l'État lui-même. Il n'y a pas gagné toute entité ça qu'on y a autorité diminuée et sécurité a grandi en face à la précarité. Nous avons fait insécurité ça. Ou si nous tout pas mettre main en patte là, nous pas jamais arriver résoudre. Donc avant que nous poser problème DG on grand monde même si c'est lui qui a dirigé, faut regarder est-ce que la police en pour compte est capable gérer problème ça puisque regardez ça arrivé là. La police là obligé grand force multinationale la tonne parce que il connaît lui-même pour compte lui. Il n'est pas capable de résoudre le problème. Non. Et même si la police a gagné 10 000 personnes, même si elle a gagné 15 000 personnes, même si elle a gagné 20 000 personnes pour être anti-crasse, se rapprocher de quantité de policiers qui gagnent par exemple en République Dominicaine, côté gagné près de 30 000 policiers pour en taille de population qui est petite par rapport avec Panouan, même si la police a été dans toutes conditions, depuis le pour contre l'île, c'est extrêmement difficile pour résoudre le problème de sécurité qui gagne dans le pays. Donc, si l'État n'a pas une politique, si l'État n'a pas mettre devant un gouvernement sur la sécurité, il n'y a pas de moyens pour la sécurité établie pendant longtemps en dans le pays. Merci. Toutes les amis internet ou sur Wendy 609 ou faire bon choix pour information, commenter à canalise, pas oublier, like, partager et puis dans tout groupe, dans tout réseau.